Donc, je redis encore pourquoi ce live maintenant, tout de suite, là, je suis à Paris, en France, où, comme vous le savez, je suis présent et pour donc donner ces formations, répondre à cette demande qui a été énorme en fait, de est-ce que vous pourriez venir en France pour nous transmettre votre expertise parce que c'est vrai que venir en Algérie, c'est pas toujours pratique. C'est vrai que c'est pas toujours pratique. C'est vrai que les billets d'avion sont quand même assez élevés. Faut dire la vérité, hein, on va pas se mentir. Et puis le temps de s'organiser, c'est aussi problématique. Donc voilà, j'ai répondu à cette attente. Je suis venu. Et puis d'autre part, comme je suis également consultant, eh bien je travaille avec des entreprises franco-algériennes en France pour pouvoir, eh bien, leur ouvrir des marchés en Algérie de façon à leur permettre, eh bien, de se faire connaître et vice-versa, bien sûr, de l'Algérie et vers la France pour développer. Parce que je sais pas si vous voyez, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de produits algériens que l'on trouve dans les commerces, et ça, je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique parce que jusqu'à présent, c'était très compliqué d'exporter, d'importer, et bien maintenant, ce n'est plus le cas. C'est vrai que les autorités ont vraiment facilité les échanges, autant au niveau de l'Afrique qu'en France. Voilà. Donc, bonnes opportunités. Moi, je dis que c'est vrai que s'ouvrir à l'export, eh bien, ça permet d'ouvrir des marchés, des nouveaux marchés. Et c'est magnifique. Ok. Allez, c'est bon. On commence. On a une question.